Ce matin? Vous avez l'air à bien aller, j'ai l'impression que vous avez amené le soleil ici. C'est génial. Euh, ce matin, le uh, pasteur Monique l'a mentionné, le uh, pasteur Guétin est à notre site de Terrebonne, et généralement on dit prier pour lui, mais ce matin, priez pour moi. Okay? <laughs> et uh, on est uh, dans la série uh, Les prophéties d'Ésaïe pour ta vie, c'est le cinquième message ce matin. Nous avons vu uh, que Dieu apporte consolation à travers uh, Ésaïe. On a parlé aussi de passer de l'idolâtrie à l'adoration. On a vu le baptême ensemble. On a parlé également du Saint-Esprit la semaine dernière, ce matin. Ça va être Ésaïe 49 et 50 et ça va mettre la table pour le week-end qui s'en vient. Donc, euh, vendredi saint et Pâques, soyez là vendredi soir à 19h30. On va avoir un beau rassemblement ici et arrivez tôt parce qu'habituellement, il y a des gens debout le vendredi saint. Alors, arrivez tôt si vous voulez une bonne place et vraiment passer ce moment de célébration avec nous. Et dimanche de Pâques aussi, euh, oui, on va célébrer. Euh, la résurrection de Christ, mais en même temps, on veut célébrer aussi quelque chose qui va prendre place à l'Église très bientôt. Donc, on a une bonne nouvelle à vous annoncer euh, concernant l'avenir, euh, concernant la vie de l'Église. Donc, soyez là euh, dimanche matin prochain. Mon titre ce matin, c'est simplement Écoutez. Et euh, ce matin, ma fille de 13 ans m'a dit, Papa, j'ai hâte de t'entendre. Qu'une fille de 13 ans dise ça, c'est déjà un bon début. Euh, je, je suis content que tu dises ça parce que mon, ce, mon message ce matin, ce pas d'entendre, mais d'écouter. Donc, j'ai dit, tu es mieux d'écouter quand je vais te parler euh, ce matin. Mais ce matin, c'est écouter. Donc, qui a deux oreilles ici? Il y en a, vous ne levez pas la main, c'est pas normal. OK? Tout le monde a deux oreilles ici. Donc, écoutez ou écoutons ensemble ce que la parole de Dieu dit. Donc, Ésaïe 49, verset 1. Il commence ainsi. « Il ». Écoutez-moi. Quand ça commence comme ça, c'est sérieux. Quand ma femme me dit « chéri » ou même je ne devrais pas dire « chéri », juste « Denis », écoute-moi, ça ne part pas bien. Okay? Je suis venu de l'écouter parce que sinon ça va mal. « Il », écoutez-moi. Peuple lointain, prêtez attention. Le Seigneur m'a appelé depuis le ventre maternel. Il a évoqué mon nom depuis les entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit Tu es mon serviteur. Israël, c'est en toi que je montre ma splendeur. Verset 5, lui qui me façonne depuis le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit rassemblé auprès de lui. Donc il faut comprendre le contexte ici. Dieu est en train de parler de Jésus, qui est en train d'être formé avant de s'incarner. Et le peuple d'Israël, les Juifs, sont en exil. Ils ont été désobéissants à ce que Dieu demandait et là se retrouvent en captivité à Babylone. Et c'est vraiment dans le contexte dans lequel on doit se mettre ce matin pour ce message. Ils sont en attente d'un Messie. Ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui va venir, un Messie qui va venir. Ils sont toujours dans cette attente-là. Et Dieu a un message important à communiquer au peuple. Et lorsqu'on veut communiquer un message important, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps de le préparer où on va appeler les, les événements importants, on va appeler les gens. Hein, si vous êtes enceinte, vous allez faire quoi? Vous allez aviser la, la terre entière que vous êtes enceinte parce que vous allez mettre sur Facebook chaque progression de la bédaine. ok Deux mois, trois mois, jusqu'à neuf mois, et même après, vous allez euh, montrer votre enfant. Et c'est normal, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose d'important qu'on veut communiquer aux gens qu'on aime, aux gens qu'on apprécie. Et c'est la même chose avec un mariage. On va prendre beaucoup de temps. Pour préparer des faire-parts. On veut que les gens soient là, mais il y a quelque chose d'important qui va prendre place. Venez prendre place à ce mariage parce qu'il euh, y, y a un moment vraiment important et Dieu a ce message important à communiquer. Et comme euh, on se on prend d'avance pour un mariage, Dieu annonce à l'avance au peuple qu'il va y avoir un serviteur, mais un serviteur différent. Il va dire Tu es mon serviteur Israël. Donc Dieu vient nous révéler son serviteur, et ce n'est pas un serviteur comme ils ont eu depuis longtemps, c'est-à-dire des serviteurs qui, qui, oui, servaient Dieu, mais ils étaient faibles. Cette fois-ci, c'est le serviteur par-dessus tous les serviteurs, un serviteur rempli d'autorité qui va être la splendeur de Dieu parmi cette terre. Et c'est le serviteur tant attendu qui, qui a rapport avec la prophétie. Donc, c'est oui, ça, ça va être un, un prophète qui va venir pour les nations, mais plus qu'un prophète, c'est le prophète par excellence, celui qui devait donner sa vie. Donc Dieu a un message de délivrance qu'il veut annoncer non seulement aux Juifs, ceux qui sont en captivité, mais à tous, à la Terre entière. Parce qu'au début, il va dire, écoutez-moi, il va dire, peuple lointain aussi. Donc si vous nous écoutez sur Internet, aujourd'hui, ça s'adresse aussi à vous. C'est écoutez-moi, les gens du portail, mais aussi les peuples lointains. Il y a un message particulier que Dieu veut communiquer, celui de ramener Jacob, c'est-à-dire celui qui s'est éloigné de Dieu. Je veux le ramener à moi. Je veux rassembler Israël, tout le peuple que je me suis choisi, tous ceux qui ont mis leur foi en moi. Ils sont peut-être éloignés. Je veux rassembler tout le monde auprès de moi. Et Dieu, dans cette première portion de texte, veut nous dévoiler l'identité. Du serviteur. Qui est ce serviteur? Et Dieu va lui donner le nom d'Israël. Et ça, c'est intéressant, parce que lorsqu'on parle d'Israël, on parle toujours du peuple de Dieu dans la Bible. Mais cette fois-ci, on parle du serviteur qui s'appelle Israël. Pourquoi il l'appelle comme ça? Parce que sa mission, c'est de restaurer l'identité d'Israël, de, de restaurer sa relation qu'il a avec Dieu. Donc, pendant longtemps, ils ont essayé par eux-mêmes de rétablir leur relation avec Dieu, mais cette fois-ci, voici, je t'envoie le serviteur, celui qui va te permettre d'être réconcilié avec moi. C'est pour ça qu'on l'appelle Israël. Et le peuple d'Israël s'identifiait à ce qu'il portait. Ils avaient de la culpabilité, et ils avaient de la honte, ils étaient séparés de Dieu, mais euh, leur, état, réalité, leur, leur, leur état réel, physique, pardon. Démontrait leur état spirituel. Leur captivité démontrait un état spirituel. Ils étaient séparés de Dieu. Et il y a quelques années de ça, une de, une de mes filles avait quatre ans et euh, elle, on l'avait inscrite à un cours de gymnastique. Et lorsqu'il est venu le temps, vous savez, la première fois, le professeur demande toujours, c'est quoi le nom euh, des enfants? Et là, il y avait une petite fille qui s'avance et le, le professeur va demander, c'est quoi ton nom? Et la petite fille elle va dire, je m'appelle Rose. Donc après ça, ça, ça vient autour de ma fille. Et là, elle, ça, ma fille est elle, elle, quand même vêtue. Elle se dit, ok, si la fille en avant de moi, elle a dit Rose, elle, elle a associé que parce qu'elle avait un maillot rose, elle s'appelait Rose. Mais son nom c'était Rose pour vrai. Et là, ma fille elle arrive, puis on lui demande, c'est quoi ton nom à toi Et Ma fille elle avait un maillot bleu. Donc elle a dit, je m'appelle Bleu. Elle s'est identifiée à ce qu'elle portait, et le peuple d'Israël s'identifiait à ce qu'il portait sur eux, la honte qu'il portait. Et Jésus est venu s'identifier à nous lorsqu'il est venu sur cette terre. Il est venu nous réconcilier afin qu'on qu soit à nouveau euh, avec Dieu. Donc, il est venu s'identifier à nous et nous offrir un nouveau commencement. Lorsqu'on l'appelle, tu vois, sais, mon serviteur Israël, ça démontre que T'as entendu parler d'un peuple jusqu'à maintenant qui était loin de moi, mais par mon serviteur Israël, c'est celui qui va emmener un nouveau commencement pour toi. Donc Jésus va emmener un nouveau commencement dans ta vie par Jésus, si tu le crois, dis Amen. Amen. Verset 6 Il a dit C'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. La lumière des nations. Si on demande aujourd'hui à quelqu'un, c'est quoi la lumière? Euh, ils vont regarder dans, dans, dans toutes sortes de choses. Ils vont regarder beaucoup dans le spirituel, des fois dans l'occultisme, ils vont euh, tout, tout ce qui peut être Nouvel Âge, ils vont regarder toutes sortes de choses. Euh, ils vont aller chercher à gauche, à droite, essayer de trouver la vérité pour leur vie qui leur fait plaisir à eux. Ils vont regarder... Dans les pensées positives, souvent on va dire je vais tomber des bonnes zones positives, mais ça ne change rien à notre vie. Et je dirais même ceci la lumière n'a rien à voir avec la religion. Absolument rien à voir. Parce que le christianisme parle de la personne de Jésus, de ce que Jésus a fait, alors que la religion parle juste des principes de la vie. Mais tu peux établir plein de principes, tu peux euh, euh, obéir à plein de principes, plein de commandements, mais si tu n'as pas la source de la vie avec toi, ça ne sert à rien. Donc Jésus est la lumière des nations. Chaque pensée, de sagesse, de philosophie, de code moral, en dehors de Jésus, nous mène dans le mensonge. Parce qu'une seule personne qui a donné sa vie, c'est Jésus. Et ça me fait penser hein, quand on parle de code moral. J'ai un voisin qui est vraiment extraordinaire. Et je lui ai dit cette semaine, c'était une bénédiction de Dieu pour moi, parce que. Euh, j'ai eu, bon, on a fait des rénovations euh, dernièrement et j'ai eu un problème avec ma voiture. Dimanche matin, je voulais venir ici à l'église. Il ne démarre pas, je ne sais pas quoi faire. Hey, peux tu venir me donner un coup de main huit 8h15. J'aurais pu le réveiller, mais il dit ah, Garage, je vais te prêter mon auto, je vais regarder ça aujourd'hui, et tout ça. Et euh, cette semaine, le garage n'a pu rien faire. Il dit Laisse-moi là, laisse-moi là ta voiture, je vais, je vais regarder ça. Et il a passé deux jours sur ma voiture. Et, et, et il m'a prêté sa voiture pendant cinq jours cette semaine. Donc. Une générosité extraordinaire, puis il y a huit enfants en passant. Donc, hyper patient, très généreux. C'est, tu ne te déranges jamais. Je vais le voir que ce soit huit ans le matin, dix ans le soir, pas de trouble, je vais t'arranger ça. Euh, un voisin extraordinaire. Et quand je regarde à sa vie, je me dis, OK, j'ai parlé à deux personnes de l'Église, puis ils m'ont dit, est-ce qu'il est chrétien ton voisin? Je dis, non, il n'est pas chrétien. Mais cette question-là me fait réfléchir. Parce que je me dis souvent, moi, j'essaie d'être une lumière dans mon entourage, mais comment je peux être une lumière avec lui? Il me bat à plat de couture sur tous les points. Comment je peux être une lumière pour lui? C'est simple. La lumière n'est pas dans ce que tu es ou dans les belles œuvres que tu as faites. La lumière est dans est en Jésus qui a fait toutes choses pour toi. Et nous, on s'identifie à Jésus. Amen? On est identifié à la lumière des nations. Et Dieu a dit que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le but de la lumière des nations, c'est d'être la lumière pour toutes les nations, un, un, une lumière mondiale. Et ce, cette semaine, et même je dirais depuis le dernier mois, plusieurs nouvelles qui passent, des attentats à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Stockholm aussi, même cette semaine. Et évidemment, j'ai... J'ai prié pour ces gens-là, puis euh, que, que Dieu puisse se manifester. Et des fois, on voit ça, il y a comme l'horreur qui est là. Et il y a aussi eu, euh, je pense hier ou avant-hier, euh, Donald Trump qui a envoyé des troupes en Syrie pour attaquer la base là-bas, tout ça. Et des fois, on, dans notre cœur, si on est honnête, là, on pourrait pratiquement se réjouir de dire bon, ben, bien bon pour eux. Il y avait juste à pas aller attaquer, parce qu'on associe toujours ça à, à, au terrorisme. Et là, on pourrait dire ça, bien bon pour eux. Et des fois, on a de la misère avec ça que Jésus est la lumière des nations. On pourrait dire que pour nous au Québec, c'est correct. En, en Amérique ou en Occident, on a quand même des valeurs judéo-chrétiennes, donc euh, c'est correct que Jésus soit la lumière des nations. Mais pour les autres, par exemple, ça, on pourrait peut-être s'en reparler. Mais non, Jésus n'est pas venu juste pour nous, il est venu pour toutes les nations. Qu'on aime ça, que ça nous plaise ou non, on est là pour euh, euh, être des ambassadeurs de Christ, mais on est, on est là pour parler de la lumière, que la lumière est pour toutes les nations. Si tu es convaincu, tu le crois ce matin, je veux entendre un vrai amen ce matin. Parce qu'on pourrait dire, mais pasteur, ces terroristes-là méritent la mort. Vous avez raison, mais on mérite tous la mort. Pourquoi? Parce qu'on est tous pécheurs, on commet tous des fautes, tous des transgressions, on mérite tous la mort. Mais Jésus a posé son regard sur nous et dit Non, moi, je ne veux pas que tu meurs, je veux te libérer de ta situation spirituelle. Je veux, je veux que tu aies la vie en toi. Et c'est la même chose pour eux. Il est mort autant pour eux que pour nous. Donc, si on entretient des préjugés du racisme, ou de la haine à l'intérieur. Des fois, ça presque comprend, on dit hum, hum, il me semble. Mais non, on est appelé à les aimer, on est appelé à prier pour eux parce que, imaginez, ils sont touchés par Jésus, donnent leur vie à Jésus, ils ne deviennent plus des terroristes. Ils donnent leur vie pour Jésus. On continue, verset 7. Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée celui que la nation a en abomination, l'esclave des dominateurs. On voit ici que Jésus ne gagnera jamais un concours de popularité dans notre monde. Ainsi parle le Seigneur, au temps de la faveur, je t'ai répondu. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, pour relever le pays et pour distribuer les patrimoines dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, paressez, ils ne pourront pas être sur les chemins. Ils trouveront des pâturages sur toutes les pistes. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Car celui qui a compassion d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources. Je transformerai toutes mes montagnes en chemin. Et mes routes seront rehaussées. Ils sont là. Ils arrivent de loin. Ciel, pousse des cris de joie. Terre, sois dans l'allégresse. Car le Seigneur console son peuple. Il a compassion de ses pauvres. Deuxièmement, ce que Dieu veut nous communiquer, après l'identité du serviteur, il veut nous communiquer la tâche du serviteur. Il est venu faire quoi? Et à plusieurs moments dans l'histoire, Dieu a donné des libérateurs. Le plus connu, on, on peut parler de Moïse, mais il a envoyé aussi des juges, il a envoyé des rois pour pouvoir diriger le peuple dans son pèlerinage terrestre. Et ces libérateurs-là, la Bible nous démontre qu'ils n'étaient pas suffisants. Ça prenait quelqu'un de plus. Et c'est pourquoi la Bible va dire autant de la faveur. Le jour du salut, je t'ai secouru parce que c'est toi, c'est de toi que je veux faire l'alliance de tous les peuples. Et, et euh, si vous connaissez l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs alliances qui ont été faites parce que Dieu vous était engagé déjà envers le peuple. Et on, on peut prendre Noé, par exemple. La, la première alliance qu'on voit. Euh, avec Noé, c'est euh, que Dieu avait promis de ne plus détruire la terre par un déluge. Et si, si vous ne savez pas, en passant, quand il y a un arc-en-ciel dans le ciel, ça nous rappelle que Dieu euh, avait promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. C'était l'alliance qu'il avait avec le peuple d'Israël. Il y a eu Moïse aussi euh, avec la Pâque. Donc, plusieurs. Alliances différentes, mes amis. Isaïe nous montre que Christ est l'alliance parfaite, l'alliance par excellence. On n'a plus besoin d'en avoir une autre. Jésus est venu et c'est lui qui peut venir à notre secours. Le peuple a essayé. Il était incapable de s'en sortir. Il a tout fait pour essayer de s'en sortir. Il s'est tourné vers d'autres dieux, pensant trouver la liberté vers ces dieux-là. Mais non, ils étaient incapables. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se faire dire? Tu es bon, tu es capable. Tu as juste à te retrousser les manches. Il n'y hey, a rien là. On va se relever. C'est juste une mauvaise passe. Ressaisis-toi et on va toujours t'encourager à regarder à toi, dans tes capacités, dans tes forces. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de se relever par nous-mêmes. On n'est pas capable. Notre état de pécheur est trop fort et on a besoin d'une assurance plus forte. Et c'est pourquoi Dieu a dit Je vais envoyer mon serviteur celui qui va être l'alliance du peuple. Jésus est venu accomplir la tâche qu'on lui a confiée, celle de relever, de rétablir. Et ça me fait penser à mon autre fille. J'ai trois filles, donc trois illustrations pour mes trois filles. Lorsqu'elle avait cinq ans, à un moment donné, ma femme lui a demandé, est-ce que tu pourrais faire tes tâches, s'il te plaît? Et elle a dit, mais maman, est-ce que quand tu me demandes de faire mes tâches, est-ce que je suis obligé de faire les tâches? Parce que des fois, ça ne me tente pas, puis je voudrais ne pas les faire. Donc, est-ce que c'est possible que je ne fasse pas mes tâches? Euh, non. Tu vas faire tes tâches. Mais moi, je suis reconnaissant pour le Seigneur qu'il n'a pas dit Ah, oh, je vais faire ma tâche juste si ça me tente. Non, Jésus, coûte que coûte, il a accompli la tâche qui lui était réservée. Verset 9. Pour dire aux prisonniers, sortez! Ceux qui sont dans les ténèbres paresseux La deuxième tâche de Jésus, c'est de libérer les captifs. Dans Ésaïe 61, on nous annonce celui qui va venir libérer les captifs. On parle de Jésus dans Ésaïe 61. Et la promesse est accomplie en Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi et Maouin pour libérer les captifs. Et ici, on est en train de préparer. Le peuple a dit, voici celui qui libère les captifs. Les prisonniers, sortez. Est-ce que ce matin, vous êtes dans une prison? Est-ce que dans votre âme, vous vous sentez prisonnier? Est-ce qu'il y a un péché qui vous tient captif? Le samedi soir, vous pleurez parce que vous n'êtes plus capable, puis le Seigneur vient m'aider, puis je me sens pris là-dedans. Est-ce qu'il y a une blessure qui est là qui n'est toujours pas guérie? Un pardon que vous n'avez pas fait? Vous vous sentez prisonnier? Jésus dit, sortez maintenant, sortez. Il va dire, paraissez devant moi. Il faut venir devant Jésus. À un moment donné, il faut arrêter d'écouter tout ce qui se passe en nous et de regarder à notre prison. On doit sortir et paraître devant Christ. Amen. Amen. Ne reste plus dans ta solitude. La prison te tient dans la solitude. Ne reste plus dans ta solitude. Va voir quelqu'un, confie-toi à quelqu'un. Peut-être que tu dois pardonner pour être libre. Parce que Dieu va dire, ils pourront paraître sur les chemins. Les prisonniers vont pouvoir paraître. Quand tu es prisonnier, là, es, tu ne peux pas sortir de ta cellule. Maintenant, ils vont pouvoir paraître. Il y a une liberté qui est là. Mais il faut sortir, il faut aller vers Jésus pour être libre. Et il y a une promesse qui dit. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ce que Jésus est venu accomplir, c'est de remplir le vide dans ta vie. Amen. Je te poserai la question suivante, de quoi te nourris-tu? Ou de quoi as-tu soif? Moi j'ai soif de prendre une gorgée d'eau. Mais de quoi as-tu faim? De quoi as-tu soif à chaque jour? Est-ce que tu dois absolument toujours consommer tout ce qui est devant toi, te, te procurer la dernière bébelle qui est sortie? Est-ce que tu es toujours dans les projets de rénovation? Moi, j'ai connu quelqu'un qui a refait son salon. Après avoir fait son salon, okay, on va refaire la cuisine. Euh, après ça, il a décidé de refaire les chambres. Après, hey, on va refaire tout le plancher. Ensuite, il était à l'extérieur, il a refait un deck de piscine, ça, c'était comme wow. Puis, il y avait toujours plein de projets. Et quand il n'y avait plus de, de projets, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé pour avoir d'autres projets. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Pourquoi? Il y a un vide. On a besoin de remplir le vide. Et on se nourrit de toutes sortes d'affaires. Tu peux te nourrir de sexualité, de pornographie. Tu peux te, te nourrir ou avoir soif de beauté. Peut-être que tu qu as une mauvaise estime de toi-même. Tu veux être plus beau, plus belle. Et, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. On se nourrit de ça. Est-ce qu'on se nourrit des médias? Il y a toutes sortes de choses qui se passent sur les médias. Est-ce que c'est ça notre nourriture ou c'est la parole de Dieu? Des fois, je regarde euh, sur mon fil d'actualité Facebook et je vois le, le type de nourriture que les gens ont. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il y a un verset qui dit ceci. L'homme ne vivra pas de Facebook seulement. C'est écrit. Pas besoin de vous dire que je l'ai rajouté. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il peut avoir plein d'incertitudes autour, mais on doit se nourrir de la parole de Dieu parce qu'on sait qu'en bout de ligne, c'est lui qui est victorieux. Amen. Ouais. Quatrième ouais. élément de sa tâche, c'est de transformer verset 11, il dit, Je transformerai toutes mes montagnes en chemin. Les routes seront rehaussées. Il est venu pour transformer. Pas juste dire, OK, je te sauve, mais non. Il veut faire une transformation dans ta vie. Pour vous l'illustrer, euh, ma femme, une des choses qu'elle aime beaucoup faire, c'est de faire de la restauration de meubles. On pourrait dire du relooking de meubles. Ça consiste à quoi? Elle va prendre un meuble qui a peut-être été abandonné sur le bord du chemin, où elle va payer 5 pour un, un vieux meuble que personne ne veut, un super meuble en bois. Des fois, il y a une graphine, des fois, il manque une vis, des fois, la porte accroche. Mais c'est un meuble que on, on s'en débarrasse, on ne le veut plus, on va le donner dans les bazans, on le met sur le coin de la rue. Mais elle, elle se plaît à prendre le meuble et lui redonner tout un look, un nouveau look, du, du faux fini, puis tout un, un, un beau relooking. Et lorsque tu regardes le meuble après, tu dis, oh, ouais, tu as payé ça 5 dollars. Mais tu, tu le regardes, tu as l'impression que ça vaut des centaines de dollars. Mais c'est ce que Jésus est venu faire avec vous et moi. On peut penser qu'on n'est plus bon, on est juste bon à être jeté, on est mis au bazar, il n'y a plus grand monde qui veut de toi. Peut-être qu'on va juste mettre un petit 5$ pour toi parce que ça ne vaux pas grand-chose. Mais Jésus est venu refaire une œuvre dans ta vie, une transformation complète. Mais cette transformation n'est pas seulement pour vous et moi. Elle est encore une fois pour les nations. On a dit que Jésus est la lumière des nations et on doit parler, on doit communiquer cette vérité au monde. Et le texte dit ils sont là, ils arrivent de loin. Et je veux juste prendre 30 secondes pour être reconnaissant envers Dieu pour le multiculturalisme qu'il y a ici. Il y a plus d'une trentaine de nations représentées dans cette église. On peut vraiment donner la position du Seigneur pour ça. Parce que si on recule, euh, ce qui est particulier, je n'ai pas dit ça à la première réunion, mais mon grand-père, ce matin, il prêche dans une église, il y a 95 ans. Et, et pourquoi je dis ça, c'est que il y a 70 ans, quand on prêchait dans les églises, c'était des Québécois qui venaient à l'église. Il y avait des Québécois, mais maintenant les nations sont ici partout. Et Dieu veut rassembler toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas la lumière des Québécois. Il est la lumière de toutes les nations. Et c'est merveilleux, on peut célébrer le même Dieu ensemble. Ils vont dire, verset 13 Ciel, pousse des cris de joie. Soit dans l'allégresse, je suis content parce que vous poussez des cris de joie ce matin. On se réjouit de ce que Dieu fait. Et dans le texte, c'est comme le cri de louange qui dit « Mission accomplie » parce qu'enfin le Sauveur est là, le Messie tant attendu est là, la lumière des nations est là et on rend gloire à Dieu. Imaginez-vous après, euh, hier soir, en prolongation, le Canadien gagne, je suis sûr qu'il y en a, vous avez sauté de, de votre salon et « Yes, le Canadien a gagné » et puis hier, on se tape dans les mains et on est content parce que c'est « Mission accomplie ». Mais imaginez Jésus qui est venu donner sa vie pour que tu sois sauvé. Là, il y a un vrai sujet de joie. Et pourquoi on se réjouit? Le texte dit qu'il va, euh, va les avoir consolés. Il, il y a compassion d'eux. Et on se réjouit parce que Dieu nous a consolés. Et Dieu a eu compassion de nous. Et aujourd'hui, il va avoir compassion des autres aussi. Il faut se réjouir pour ça. On est dans une humanité qui a besoin de Jésus. Verset 14. Si on disait, et lorsqu'on parle de Sion, on parle de la cité de Dieu. Dans l'Ancien Testament, donc si on disait, le peuple d'Israël disait, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié, une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de son ventre? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont constamment devant moi. Dieu avait toujours un regard sur la ville, sur Sion. On a toujours un regard constamment sur son peuple. Donc, troisièmement, écoutez le salut du serviteur ce matin. Le peuple disait, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. C'est peut-être ça que tu penses ce matin. Mais j'aime la métaphore qu'il fait avec la maman. La maman, lorsqu'elle donne naissance, est-ce qu'elle va oublier son enfant? Je sais qu'on peut entendre toutes sortes d'histoires, mais généralement, non. Mais même si elle l'oubliait, Dieu dit, je ne t'oublierai pas. Donc Dieu respecte son engagement et ne t'oubliera pas. Et il le démontre par sa fidélité. Verset 16, il va dire, je t'ai gravé sur mes mains. On peut très bien se l'imaginer avec un tatou. Personnellement, je n'ai pas de tatou. Mais si j'avais un tatou sur le bras... Lorsque le, 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 le tatoueur passe son aiguille sur mon bras, c'est dans le but que ça reste gravé sur le bras. Le but, c'est pas que tu l'enlèves après cinq ans parce que es tanné. Non, tu l'as sur ton bras. Et Dieu est en train de dire, je t'ai gravé sur mes mains. Ton nom là, il est écrit dans ma main, il est tatoué là. Alors si tu penses que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne pense plus à toi, il t'a gravé ici. Le problème, c'est pas que Dieu nous a oubliés, c'est nous qui avons oublié Dieu. Il est là le problème. Et le peuple croyait qu'il avait été abandonné. Mais il n'a pas été abandonné. Il a été discipliné. C'est différent. Il était discipliné. Mais Dieu est en train de leur annoncer que la lumière des nations était là. Puis ici ce que tu vis ce matin. Donc, sois encouragé. Verset 17. Et là, je vais prendre des, plein de petites portions de, de verset. Tes fils accourent. Lève les yeux. Tous se rassemblent. Ils viennent vers toi. Et tu te diras, qui me les a donnés? Car j'étais privé d'enfants, j'étais stérile. J'étais exilé, répudié, abandonné. Okay? Qui les a élevés? Il y a un constat ici où tout le monde vient, puis on ne comprend pas pourquoi. Comment ça que tu ramènes des gens à Dieu? Puis j'ai rien fait pour ça, j'étais stérile, je n'étais pas capable d'enfanter. On voit ici la grâce de Dieu. Et oui, encore la grâce. Tu es peut-être venu ici ce matin, tu as vu que ce n'était pas pasteur Pastor Gaétan devant, tu as dit OK, il n'y aura pas de grâce ce matin. Il y a quand même la grâce. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on peut empêcher une maman qui porte un enfant de parler du bébé quelque part? Impossible. Si tu essaies, elle va, changer, elle va revenir sur le sujet. Et elle veut parler de son enfant quelque part. De la même manière, la grâce de Dieu, Dieu, Dieu ça fait partie de Dieu. Il ne peut pas ne pas parler, ne pas communiquer quelque chose qui fait partie de lui. La grâce de Dieu est en lui. Il va le communiquer tout le temps. Dans toutes les pages de la Bible, tu vois la grâce de Dieu. Donc, guettant ou non, on parle de la grâce ce matin. Ça fait partie de lui-même. Parce que ce n'est pas notre foi qui fait grandir l'Église. C'est la grâce de Dieu qui est révélée à chaque pécheur dans ce lieu qui réalise que, wow, je ne mérite pas, mais il a penché son oreille vers moi, son, son, ses yeux, j'étais gravé, même si moi, je n'étais pas là, il n'était pas dans mes pensées, Dieu a gravé mon nom, puis il ne m'oublie pas. Et ça, on, on appelle ça la grâce de Dieu. Il va dire au verset 23, Ceux qui m'espèrent ne seront pas honteux. En qui espères-tu ce matin? Est-ce que tu espères dans la sauveur de l'humanité? Où tu espères en tes capacités, ou, en, ou dans le gouvernement, peu importe. C'est une décision à prendre ce matin. Pourquoi? Chapitre 50, verset 1. Ainsi parle le Seigneur. Où est l'attestation de rupture avec laquelle j'ai répudié votre mère? Il fait une métaphore de mariage ici. et où l'attestation? Tu dis que je t'ai abandonné, là. et où l'attestation de rupture? Il y a où le contrat de divorce? Il n'y en a pas de contrat. Dieu ne, ne divorce jamais de son peuple. Il s'est engagé envers toi, il va rester engagé. Le problème, c'est que c'est nous qui se désengageons. Mais Dieu est toujours engagé envers nous. Il va dire aussi, ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu Une métaphore financière. Dieu ne nous vend pas. Voici le pourquoi que je mentionnais tout à l'heure. C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendu. C'est à cause de vos transgressions que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Mon bras est-il trop court pour libérer? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? La seule explication, pourquoi le peuple était en captivité, et pourquoi nous, on peut se sentir en captivité dans nos cœurs? La seule explication, ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés, c'est nos fautes, à cause de nos fautes, à cause de nos transgressions. Puis, peut-être tu te tiens ici ce matin et tu te dis que c'est la faute de Dieu si es arrivé telle ou telle chose dans ta vie. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Nous sommes les seuls responsables. Mais il y a une bonne nouvelle, par contre, à ça. Oui, nos fautes, oui, nos transgressions. Il nous en est une séparation avec Dieu, mais il y a une bonne nouvelle. La semaine dernière, j'ai été chez le médecin, j'approche 40 ans, et puis, euh, bon, examen de routine, rien, rien de majeur. Et vous savez, il y a toujours le, 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 le check-up, comme on dit, euh, extérieur. Et puis, euh, on regarde partout les oreilles, la bouche, tout le kit, OK? Et là, elle dit, mon doux monsieur, vous êtes presque parfait. Je dis, euh, non, je ne suis pas parfait, mais... Elle voyait sur mon corps, OK, il n'y a rien d'anormal, tout est beau, monsieur. Elle dit, mais si vous voulez, on peut, je peux vous donner une prescription pour aller faire une prise de sang, un scan, ça, s'assurer que l'intérieur aussi est bon. Et ça, c'est la même chose avec nos vies. On peut regarder des gens de l'extérieur. Je peux dire, wow, tout est super. Je vais regarder le pasteur Monique. ben écoute, il n'y a rien, Monique. Génial. Et là, on a l'impression. Il n'y a rien qui cloche. Tout est beau, puis on continue notre vie, puis la vie est belle. Alléluia. Mais il faut faire un scan à l'intérieur. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur qui nous dit qu'on a besoin de Jésus. Nos fautes, nos transgressions, qui fait que notre cœur ne va pas toujours bien. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris la prise de sang pour nous. Il s'est livré lui-même de son sang. Il fait un scan à l'intérieur de nos cœurs pour qu'on puisse regarder à lui aujourd'hui. Mais le problème dans tout ça, c'est n'est pas cette vérité-là. On peut applaudir, on peut dire Amen. Ah, Mais le problème, c'est la non-réponse du peuple. J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Moi, c'est si y a quelque chose qui me met en rogne, c'est quand je demande à mes enfants qui veut mettre la table pour le souper? Silence radio. <laughs> Allô, qui veut mettre la table pour le souper? Silence radio. Ils ont un problème d'oreille, mes enfants. J'étais voir l'audiologiste, pour ça, ils m'ont dit que tout était beau, je ne comprenais pas. Problème d'oreille. Mais des fois, c'est vous et moi, ça. On a un problème d'oreille aussi. Dieu nous parle, mais je vais continuer à faire mes affaires. Je ne veux pas entendre ce que Dieu a à me dire. Je sais qu'il va vouloir changer quelque chose dans mon cœur. J'ai envie de garder ça, moi. Dieu nous parle. Mais pourquoi on ne répond pas? On doit répondre à la grâce de Dieu. Oui, elle est là, c'est gratuit. Tu peux donner ta vie à Jésus, tu peux confier ta vie à Jésus ce matin, puis il va dire, viens, viens, j'ai payé de ma vie pour toi. Mais il faut répondre à un moment donné. Dieu veut nous parler. Il va poser une question. Mon bras est-il trop court pour libérer? N'ai-je euh, pas assez de force pour te délivrer? Dieu veut montrer que le salut du serviteur est dans la puissance, et par sa puissance. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, c'est qu'on doute de sa puissance, on doute de sa capacité. Tu as peut-être prié, jeûné, essayé de toutes les façons, tu as consulté, tu as tout essayé, puis il n'y a rien qui fonctionne. Il semble que Dieu n'a pas répondu. Je te dirais juste. Capitule devant Dieu. Fais juste lui remettre ça entre les mains. Il va s'occuper de ça. Il va s'occuper de ta situation. Il y a un témoignage que j'aimerais vous lire d'une dame de l'Église qui, en passant, euh, on a toute une équipe qui s'est engagée à prier si vous avez des besoins, des prières ou peu importe la, la requête personnelle que vous avez. Vous pouvez nous envoyer un courriel et on, on, on le transfère à, à, aux gens qui se sont engagés à prier pour vous. Et ça, c'est un témoignage suite à... Justement, une demande qui nous avait été faite. Je voulais vous partager la bonne nouvelle qu'après plusieurs années de prière, mon fils Mathieu m'a dit qu'il avait pris la décision de donner entièrement, sans compromis, sa vie à Christ et continue de mettre sa vie en ordre. Priez donc pour la direction de Dieu dans sa vie. Son père, lui, est revenu à Christ depuis l'automne, ce qui a eu une grande influence sur notre fils. 36 ans de combat et prière. 36! Okay, des fois, après deux jours, on arrête. 36 ans. Voici maintenant le temps de Dieu, de la victoire. Gloire à Dieu. Continuons de prier sans relâche pour nos bien-aimés. Un gros encouragement et une joie indescriptible. Il ne faut pas lâcher. Dieu a la force de libérer, de délivrer ce matin. Et quatrième élément que Dieu veut qu'on écoute ce matin, c'est l'appel du serviteur. Et à travers l'appel du serviteur, je veux communiquer quatre leçons pour nos vies personnelles. Verset 4. Isaïe 50, verset 4. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole qui lui est... Euh, une parole... Excusez, je recommence. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille, j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. Ce texte-là nous démontre que euh, Jésus était un apprenti. On sait tous que Jésus est Dieu, mais Dieu s'est incarné et dans la préparation qu'il faisait, il fallait que euh, Jésus soit formé comme il veut qu'on soit formé nous-mêmes. Jésus a enseigné ses disciples. Mais avant d'enseigner des disciples, êtes-vous d'accord qu'il faut savoir c'est quoi un disciple? Donc Jésus a appris auprès de Dieu à vraiment devenir un disciple pour être en mesure de communiquer ensuite. Yes, un disciple. Et Isaïe présente Jésus comme un disciple bien enseigné, un bon apprenti, un étudiant qui est dévoué. Et ce que ça démontre pour nos vies aussi, c'est que ce n'est pas juste que oh, Jésus a donné sa vie parce qu'il nous a aimés. Il est aussi compétent. Quand il fait une œuvre dans ta vie, il l'amène à la perfection. Il veut aller jusqu'au bout avec l'œuvre qu'il fait dans ta vie. Donc, il est compétent. J'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que tu es un apprenti du Seigneur Est-ce que ta prière le matin, c'est de dire, éveille mon oreille, que j'écoute, que j'apprenne Comme tu as, tu as donné le langage des disciples à Jésus, la, la, la bonne manière d'être éduqué je veux aussi que tu m'éduques. Je veux apprendre. Est-ce que c'est une requête de ton cœur ce matin? Parce que le verset 10 va dire Qui parmi vous craint le Seigneur en écoutant son serviteur? Donc, Jésus n'est pas là pour être admiré. Ah, beau message, puis c'est beau ce que fait Jésus, puis c'était une bonne personne à l'époque biblique. Non, il n'est pas là pour être admiré. Il est là pour qu'on puisse lui obéir. Verset 6. Là, je fais, je fais des, des retours en arrière. Il y, a, il y a quelques versets qui vont bien ensemble, c'est des compléments. Verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et à mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. On voit ici que Jésus, son si appel, c'est aussi la souffrance. Et la souffrance, pourquoi Parce qu'il fallait qu'il passe par là hein, pour nous sauver. Mais ce pas juste qu'il a reçu des clous et qu'il était à la croix. OK. Tout avant, il y a un processus de souffrance aussi, il a été flagellé, on, on l'a roué de coups, il y a eu des crachats au visage. Mais Jésus voulait montrer l'exemple d'une vie d'obéissance, peu importe le prix. Je suivre Jésus, pour être honnête, on porte un coup. Hein? Si on veut vivre dans la ouate toute notre vie, bien Jésus n'est pas pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours vivre des épreuves dans ta vie, mais quand il y en a, euh, ça vient avec aussi. Je préfère vivre des, des épreuves avec Jésus que des épreuves sans Jésus. Hein? Ton obéissance ne doit pas dépendre des circonstances. Vraiment important. Ton obéissance ne doit pas dépendre des circonstances, mais de ta foi. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais que c'est juste pour un temps et qu'un jour tu vas le rejoindre et tu vas avoir la vie éternelle. Certains ici aujourd'hui ont besoin de sacrifier des choses. Tenez, vie à Jésus, mais tu as l'impression qu'il y a plein d'affaires dans ta vie, là. contrairement à la parole de Dieu. Tu dois faire du ménage, tu as besoin de sacrifier. Peut-être que c'est une relation malsaine qui te mène loin de Dieu. As besoin de laisser une mauvaise relation. Jésus sans regarder en arrière. Et encore une fois, vivre l'épreuve dans l'obéissance vaut mieux que vivre une vie sans épreuve, mais dans la désobéissance. Troisièmement, l'appel du serviteur, c'est de la confiance. Verset 7, il va dire Le Seigneur Dieu m'a secouru. Malgré qu'il ait, ait été dans la souffrance, il, il a été battu. Il dit Le Seigneur Dieu m'a secouru. Donc, c'est en qui il a cru. Il avait confiance. C'est pourquoi je n'ai pas été confus. On n'a pas été confus. On sait que Dieu est avec nous il ne nous abandonne pas. Encore une fois, il n'y a pas de, 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 de contrat de divorce il est toujours engagé envers nous. Sa confiance était en Dieu. Regardez 10 B, lorsqu'il parle, euh, il renvoie la question à nous. Quiconque marche dans les ténèbres et manque de clarté. Qu'il mette sa confiance dans le nom du Seigneur et qui s'appelle. En qui mets-tu ta confiance? que tu mets ta confiance? Saint-Trudeau. Donald Trump. Je ne fais pas de politique, là. Juste pas ça. On va tellement regarder toutes les faits et gestes des politiciens des fois qu'on a l'impression qu'on met notre confiance en eux. Notre confiance ne peut pas à être en eux. Est-ce que notre confiance est dans notre compte de banque? Vous accumulez, accumulez, accumulez pour qu'un jour, peut-être, on va en avoir besoin Puis finalement, ça va mourir dans les comptes de banque. Est-ce que votre confiance est là-dedans? Est-ce que votre confiance est dans votre emploi, votre expérience, vos diplômes? Tout ça va partir. Pourquoi notre confiance, il faut que ça soit dans du solide? Et Jésus-Christ est cette personne. Dernièrement, quatrième leçon pour nous. La première fois, des apprentis peuvent vivre avec la souffrance, mais avec confiance en Dieu. Quatrièmement, Jésus a été justifié. Celui qui me justifie est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit s'avance vers moi? Le Seigneur, le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Qui me condamnera? Autrement dit, Jésus, promène. Et là, il y a des gens qui essaient de l'accuser. On le voit partout dans, dans le Nouveau Testament. On essaie d'accuser Jésus. OK? Tu veux m'accuser? Allons en cours ensemble. Ça ne me dérange pas. Parce que je sais que je n'ai rien à me reprocher. Qui veut s'opposer à mon droit? Le droit de liberté? Il a personne qui peut s'opposer à mon droit parce que je suis libre en Jésus. Hein? Qui veut me condamner? Essayez! Ça ne me dérange pas si tu essaies de me condamner. Je ne suis pas coupable. J'ai vécu une vie parfaite. Et, et c'est ça qu'on voit dans le texte. Jésus dit, regarde, essayez. Je n'ai rien à me reprocher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut être le sacrifice parfait. Il peut être la lumière pour les nations. Parce que c'est le seul qui n'a jamais péché, qui a été parfait. Amen! On peut donner vraiment une acclamation. Pour vous illustrer la justification. Jésus était justifié, ça veut dire quoi? Il y a quelques années, euh, on, je partais avec quelques collègues dans un, deux jours de, de prière et euh, je parlais avec un de mes amis dans la voiture. Puis à un moment donné, on roule tout bonnement comme ça, on ne s'en rend pas compte. Puis on roulait à peu près à 78 km/h. Et là, tout à coup, il y a une police qui me colle. Là, ça paraît mal. Un pasteur qui s'en va prier, puis euh, il un une étiquette. Moi, je parlais tout bonnement, puis j'avais l'impression, « Mais voyons, je suis correct, tout ça. » Puis finalement, une zone de, ça avait tombé dans une zone de 50. Et là, pendant que je suis arrêté, je parle aux policiers, et qui je vois passer? Pasteur Gaétan. J'ai failli perdre ma job. Alors, pasteur Gaétan passe à côté de moi. Puis là, bon... Tout serait contravention. Là, je dis à mon ami écoute, quand on va arriver, parle-en pas, s'il te plaît. Je pas envie de parler de ça, puis tu sais, on s'en va dans un 24 heures spirituel, puis regarde, parle pas de ça. Et là, j'arrive là, puis le père saint nous a vus. Donc, quest que passé? Ah, c'est mon ami qui me parlait. Je les noms parce que je n'avais seulement envie qu'on fasse tout le monde, mais. Puis. Euh... J'ai perdu mon bout en disant ça, en faisant cette petite blague-là. Donc, c'est ça, il l'a su. Et là, mon ami, lui, il décide, hey, je ne dis pas qu'il a décidé d'en parler à tout le monde, mais du fait que ça s'est su, il y a un pasteur qui vient me voir à peu près dix minutes après. Ben hey, J'ai appris que tu as, as eu un ticket, ça. Oui, 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 j'ai eu ça. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie tout ça. Puis il dit Écoute, c'est plate, hein, pareil, quand tu viens prier puis tu as un ticket, c'est ça. Merci de me le rappeler. Tu sais. Mais ce qu'il a fait, il a pris un chèque, il a signé un chèque, puis il m'a donné 100 dollars pour payer ma compagnie. Vous applaudissez, j'étais béni de ça. Mais pourquoi je dis ça? C'est exactement ce que Jésus dit. Sur le chemin de la vie, on est coupable, on franchit plein de lois, il y a plein d'affaires qu'on ne fait pas correctes. Mais Jésus est venu payer à ta place, fait que tu n'as pas besoin de te sentir correct, tu as juste à regarder à lui et à payer pour toi. Il n'y a plus de condamnation à avoir. Tu mis ta foi en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu as été justifié. Pendant que les musiciens s'avancent. Quel est notre choix? C'est l'espérance en Christ propre La Bible nous amène cette confrontation-là. On a le choix. Il y en a qui craignent Dieu, il y en a qui ne craignent pas Dieu. Il y en a qui vont tout soumettre à Dieu, que tout va avoir toujours rapport avec Jésus dans leur vie. Mais il y en a d'autres, vous allez suivre vos propres voies. Mais regardez l'avertissement qu'il y a au verset 11. Ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes. Vous tous qui allumez un feu, ou qui vous armez de projectiles incendiaires, allez dans votre feu, dans la fournaise, avec les projectiles incendiaires que vous avez enflammés. C'est par ma main que cela vous est arrivé, c'est par la souffrance que vous vous. Lorsqu'on se fie à nous, à notre propre justice, essayez de s'en sortir par nous-mêmes, de se justifier nous-mêmes. On est en train, comme on dirait, de creuser notre propre tombe. On est en train d'exposer de, de, notre propre jugement par rapport à nous parce qu'on a décidé de ne pas avoir confiance en Dieu. On a décidé de mettre notre confiance en nous-mêmes parce qu'on est capable. Mais qu'on le veuille ou non, la personne de Jésus est venue créer une séparation. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la vérité ne peut pas cohabiter avec le mensonge? Peut pas cohabiter ensemble. Le juste, celui qui a été justifié, mis sa foi en Christ et il a été justifié à cause du sang de Christ, le juste, ne peut pas cohabiter avec le méchant dans l'éternité. Ça ne va pas ensemble. Donc, on a un choix à faire ce matin. Je dirais simplement en terminant, qu'est-ce que tu choisis? Ta décision. Et on, le chant qu'on va chanter, c'est Donne-moi Jésus. Je veux faire en terminant simplement. C'est ton choix, c'est ta décision. On va se lever ensemble. On va chanter. Tu as le choix de dire Donne-moi Jésus. Ou tu as le choix de ne pas le dire aussi. Là, je ne parle pas juste de chanter parce que les paroles sont écrites dans ton cœur. Donne-moi Jésus. Et je sais que quand on est croyant, on a déjà Jésus. Donc, on ne veut pas ravoir Jésus, on l'a déjà. Mais l'idée, c'est que, à chaque jour, Seigneur, que ta présence soit toujours manifeste dans ma vie. Que je puisse toujours aller vers toi parce que j'ai besoin de toi quotidiennement. J'ai besoin de m'abreuver. Parce que sans toi, je vais avoir faim, je vais avoir soif. Je veux toujours être près de toi. Et le chant, ce il dit, c'est... Euh, le matin, dès mon réveil, on l'a vu dans le texte. Il éveille mon oreille. Le matin, mon oreille écoute. Est-ce que dans ton cœur tu désires, dès le matin, dès mon réveil, Jésus, je veux que tu sois avec moi. Je veux marcher pour toi, parce que Jésus est là. Mais est-ce qu'on veut marcher avec lui chaque matin Donne-moi Jésus. Le deuxième, c'est lorsque je suis seul, parler de prison tantôt, de sortir de notre prison. Et la solitude est une forme de prison. Tu veux rester dans ta solitude ou dire, Seigneur, donne-moi Jésus, je veux te laisser ma solitude. Aide-moi à, à, à sortir de ma prison et à me montrer devant toi parce que tu m'as promis que j'étais pour ne pas être sur le chemin d'avoir la liberté. Donne-moi Jésus. Dernièrement, ça dit à la fin de mes jours, donne-moi Jésus. Que ton désir de terminer la course en disant À la fin de mes jours, Seigneur, je veux chanter, donne-moi Jésus. Aller avec toi. Je ne veux pas laisser les circonstances diriger ma vie. Je ne veux pas laisser les épreuves diriger ma vie. Je veux que ma foi déclare que tu es mon Dieu et qu'à chaque jour, je veux être avec toi.